Loverboy avec un message d'amour. Un message d'amour à mes frères, à mes sœurs, à mes parents, à toutes les gens qui ont les oreilles pour m'écouter. Ce monde a été créé par Dieu. Il a créé nos premiers parents qu'on connaisse très bien, qu'ils étaient Adam et Ève. Et entre les deux, il y avait l'amour. Et qu'est-ce qui a fait? Ils sont séparés. Chaque fois, je demande pourquoi on ne peut pas réfléchir. Pourquoi dans tout ce qu'on fait, on ne réfléchit pas que ce n'est que l'amour qui doit nous servir, sauver dans ce monde-ci, nous sauver dans cette terre qu'on vive, qu'on ne connaît pas comment demain sera. Qu'on ne connaisse pas comment la nuit sera. Chaque fois, pourquoi on ne peut pas poser ces questions à nous-mêmes, que Adam et Ève meurent à cause d'un simple négligent. Parce que il n'y avait pas l'amour encore entre les deux. On regarde aussi Abraham. Abraham voulait sacrifier son fils unique. Son fils unique que Dieu l'a donné. Dieu l'a donné. Un chèvre pour sacrifier à la place de son fils qu'il voulait sacrifier. Pourquoi on ne peut pas prendre l'exemple à Abraham? À Moses aussi, Moses que Dieu l'a envoyé de libérer les gens, de libérer les enfants de Dieu. Pourquoi on ne peut pas prendre cet exemple, exemple de tous ces grands-parents qui sont partis, qui nous ont laissés dans ce monde-ci. Regardons aussi Armstrong. Armstrong meurt pourquoi? L'amour. Regardons aussi notre père. Jésus-Christ, qu'il est venu sur terre pour nous. Aimer pourquoi? Aimer à cause de l'amour qu'elle avait pour nous tous. Oh, mes frères, mes sœurs, mes parents, à tout le monde qui doit m'écouter, qui reçoit ce message. Je vous supplie de partager, parce que ce n'est que ça, cet amour, qui va nous sauver.